Et bonsoir tout le monde qui nous regarde en direct sur Facebook. C'est un plaisir pour nous de vous revoir, même si virtuellement. J'espère que vous débutez cette année en santé et que dans les circonstances, votre moral est bon. Merci d'être là et de vous intéresser aux affaires de la ville. On l'apprécie vraiment. Ah! Vous assistez en ce moment à la séance extraordinaire du Conseil de ville de Marieville du 12 janvier 2021. Je suis Caroline Gagnon-Mairesse. Je suis accompagnée du DG Joël Bélanger, de la greffière Mélanie Calgaro et des conseillères et conseillers qui peuvent se présenter, s'il vous plaît, à tour de rôle. Bonsoir, Sylvain Lapointe, district 1. Bonsoir, Geneviève Letourneau, district 2. Bonsoir, Marc-André Sévigny, district 3. Bonsoir, Monique Paquette, district 4. Bonsoir, Louis, bienvenue, district 5. Bonsoir, Gilbert Lefort, district 6, Centre-Ville. Oui. L'ordre du jour de la séance est disponible sur le site de la Ville. Je vous invite à aller le récupérer pour pouvoir suivre avec nous. Je vous invite aussi à écrire vos questions dans les commentaires ici sur Facebook, mais c'est seulement à la fin de la séance qu'on va y répondre, comme on fait en séance en présentiel. Aussi, étant donné que c'est une séance portant exclusivement sur le budget, les questions ne peuvent porter que sur le budget aussi. Avant de pouvoir ouvrir cette séance virtuelle, je dois vous lire quelques informations. Vu la situation d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, dans les municipalités en zone rouge, les séances du conseil doivent se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leur délibération. Donc, la captation de la séance sera disponible dès demain sur le site Internet de la Ville. En commençant, je constate qu'il y a quorum, toutes les conseillères et conseillers étant présents et présentes. Donc, en 1.1 à l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la séance de ce conseil et de garder l'ordre du jour ouvert. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. Donc, avant de passer au point 4.1, j'aimerais vous présenter le discours du budget 2021. Et je serai accompagnée d'une présentation visuelle. Donc, un budget responsable, une vision porteuse. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers collègues du conseil municipal, c'est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli que le conseil municipal vous retrouve ce soir pour la présentation du budget 2021 que nous avons dû reporter suite aux problèmes informatiques que nous avons vécu à la fin de l'année. Je tiens à vous dire que cette situation exceptionnelle a été approuvée par le gouvernement et qu'elle respecte toutes les normes légales et réglementaires. Ce rapport n'entraîne aucun impact pour les citoyens. En 2020, faire face à une crise de l'ampleur de celle causée par la pandémie de COVID-19 a été éprouvant pour tous, surtout pour les aînés, le personnel de la santé et de nombreux commerçants. Mais à travers les moments difficiles, nous avons vu émerger la résilience, la solidarité et la collaboration dans notre communauté. Et plus que jamais, nous avons compris l'importance de pouvoir compter sur une gouvernance performante et dévouée, capable de s'adapter aux changements. En rétrospective 2020, c'est pourquoi, avant de vous présenter notre budget 2021, je ferai une rétrospective de l'année 2020 qui nous aura marqué collectivement de façon déterminante. Malgré tout, celle-ci fut remplie de succès. L'un de ceux qui réjouit le plus les membres du conseil municipal est de voir la perception citoyenne positive qui se poursuit à l'égard de leur ville et le climat de confiance et de fierté qui se matérialise. Je poursuivrai avec les nombreuses réalisations que nous avons accomplies en 2020. La réfection complète des infrastructures des rues Bourdage, des plaies et une partie de la berge. La réfection du chemin du vide. Le réaménagement de l'intersection des Peupliers Route 112. Le maintien de nos nombreuses initiatives environnementales. La poursuite du plan d'action pour la revitalisation du centre-ville, dont les effets continuent de se faire sentir, des mesures d'embellissement et de plantation d'arbres,
La mise à niveau du système de réfrigération de la glace à l'aréna Julien Beauregard, la réfection des gradins de l'aréna, la réfection de la toiture de l'aréna, l'aménagement d'un guichet unique à l'hôtel de ville, la poursuite du programme de subvention pour l'affichage commercial, la poursuite du programme de subvention pour la rénovation de façade commerciale. L'année 2020 aura aussi été celle de changements positifs et significatifs dans l'administration municipale, avec l'arrivée d'un nouveau gestionnaire qui consolide l'équipe de direction ainsi qu'avec la signature de la toute première convention collective entre la Ville et les représentants du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Marieville. Nous sommes très fiers de notre organisation municipale dédiée et soucieuse d'offrir des services de qualité à la population. Budget 2021. Cet exercice budgétaire a encore une fois été réalisé avec rigueur et consolide la vision politique du conseil municipal au cœur de laquelle la famille, l'environnement et le développement économique, social et communautaire occupent une place importante. Avec ce budget responsable, nous nous donnons les moyens de poursuivre la croissance de notre ville de manière dynamique et réfléchie. Avec ce budget responsable, nous jetons les bases à d'importants projets structurants pour notre communauté et poursuivons le rattrapage de nos déficits en infrastructures dans une approche de gestion des actifs qui prolonge la durée de vie de nos infrastructures. Avec ce budget responsable, nous posons des jalons importants pour rendre notre gestion municipale encore plus performante et toujours à l'écoute des citoyens. Plus que jamais, nous avons le devoir d'en faire plus avec nos ressources en optimisant nos façons de faire, et ce budget en est une démonstration claire. Encore cette année, nous vous présentons un cadre budgétaire rigoureux basé sur les grandes orientations suivantes. Gestion rigoureuse des dépenses, respect de la capacité de payer des citoyens, rattrapage du déficit en infrastructure dans une approche de gestion des actifs, la poursuite du plan de revitalisation du centre-ville et de soutien au développement économique, le maintien des actions et efforts visant la protection de l'environnement, l'obtention de subventions gouvernementales. Les faits saillants du budget 2021. Point des dépenses. Pour l'année 2021, le budget équilibré de la Ville de Marieville s'élève à 20 700 000 $ et se répartit comme suit. Pour cette administration générale, 2 683 035 $. La sécurité publique, 2 746 194 $. En transport, 3 374 470 $. Hygiène du milieu, 3 275 591 $. Santé et bien-être, 140 037 $. Aménagement, urbanisme et développement, 672 248 $. En loisirs et culture, 2 645 344 $. En frais de financement, 3 465 397 $. Les affectations, 1 681 979 $. Globalement, le budget 2021 présente des dépenses totalisant 20 700 000 $ et représente une augmentation des dépenses de 5,25% par rapport à 2020. Si on regarde les dépenses par objet, la répartition se fait comme suit. La rémunération, 4 346 294 $. Charges sociales, 955 917 $. Transports et communications, 223 167. Services professionnels, techniques et autres, 5 612 858. Location, entretien et réparation, 1 198 264 $. Les biens non durables, 1 838 031 $. Les frais de financement, 572 266 $. Contribution à des organismes, amortissement et autres, 4 255 519 $. Affectation, 1 681 979. Du côté des revenus, en accord avec notre engagement de respecter la capacité de payer des contribuables, le conseil municipal présente encore cette année un taux de taxation très compétitif. C'est donc avec fierté que nous annonçons le gel du taux de la taxe foncière générale pour toutes les catégories d'immeubles. Ainsi, les taux 2021 seront les mêmes qu'en 2020, soit au résidentiel,
72,21 sous par 100 $ d'évaluation. Le commercial, 1,3705 par 100 $ Industriel, 1,8053 Agricole, 0,5416 par 100 $ d'évaluation. Le 6 logements et plus, 0,95 par 100 $ d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,4442 du 100 $ d'évaluation. En voici sommaire pour l'ensemble des taxes et tarifs. Taxe spéciale, service de la dette, 0,0869 donc 8,69 sous. Taxe spéciale pour les infrastructures, c'est 0,8 sous. Taxe spéciale pour du 100 $ d'évaluation. Taxe spéciale pour l'emprunt de l'usine d'assainissement, 0,0061 donc 0,6 sous. Tarif pour l'approvisionnement en eau, donc ce sont des tarifs maintenant, c'est 121 Tarif pour l'assainissement dans nos usines, les égouts, 216 Le tarif pour la collecte des déchets, 79,74 Tarif pour la collecte et gestion des matières recyclables, 73,50 Tarif pour la collecte et gestion des matières organiques, 82,36 Et le tarif pour le nouvel éco-centre, 25 Ainsi, certaines taxes dédiées aux infrastructures ont été indexées afin de prévoir le financement de projets structurants et de poursuivre le rattrapage de nos déficits en infrastructures. De plus, certains tarifs basés sur le principe d'utilisateur-payeur ont été indexés afin de refléter les coûts réels. C'est le cas pour le nouveau tarif pour le nouvel éco-centre régional qui constitue l'ajout d'un service attendu depuis fort longtemps. L'impact pour une résidence moyenne à Marieville d'une valeur de 258,306 en 2021 se traduit par une hausse du compte de taxe de 3,6 soit 95,37 de plus pour la même résidence en 2020, et s'explique de la façon suivante. Le gel de la taxe foncière, l'indexation des taxes dédiées en infrastructure, aux infrastructures, le service de la dette, 0,96 la taxe dédiée aux infrastructures, 47 l'indexation des tarifs pour les collectes régionales, donc 1 la hausse, la collecte sélective pour le recyclage explique 1 de la hausse. Globalement, les revenus de taxation proviennent de 67 du résidentiel, 11 du commercial, 8 industriel, 7 agricole, 6 des 6 logements et plus et 1 des terrains vagues desservis. En somme, si on regarde la répartition des revenus, ceux provenant de la taxation s'élèvent à 14,776,492 et représentent 71,44 des revenus totaux. Concrètement, ce budget servira à financer des projets et des initiatives qui amélioreront la qualité de vie des citoyens et leurs familles, à valoriser la protection de l'environnement et à stimuler notre développement économique. Voici quelques exemples de projets pour 2021. Virage vers la ville intelligente et l'implantation de services en ligne. La mise en œuvre d'un plan de restauration du ruisseau Saint-Louis. L'implantation de la gestion des actifs. Le maintien du programme d'aide financière aux particuliers pour l'achat de bornes électriques. La mise à jour de l'inventaire patrimonial. La mise à jour de la politique familiale. Et l'élaboration d'un parcours patrimonial. En début d'année, nous dévoilerons notre planification stratégique 2021-2025, un projet qui nous est très cher puisqu'il représente en lui-même les valeurs, les objectifs et la vision du conseil municipal. Avec cet important exercice qui se conclut, nous donnerons une vision à la hauteur des aspirations des Marivoises et Marivois, un plan clair des valeurs humaines de collaboration, d'innovation et d'excellence et des assises solides pour bâtir notre avenir.
Nous finaliserons également le concours d'architecture de notre projet de nouvelle bibliothèque et débuterons les travaux de construction, dont les résultats sont très attendus de la population. Lieu de culture et de connaissance, la future bibliothèque sera la fierté de notre communauté, un espace pour l'enrichissement de tous les citoyens de ma ville. En conclusion, ce budget livré au terme d'une année particulière et difficile démontre clairement l'engagement du conseil municipal à mettre en œuvre des actions concrètes en faveur des familles, de l'environnement et du développement économique. Il témoigne aussi de notre volonté d'améliorer la performance de notre gestion et de valoriser l'immense contribution de nos employés. À cet égard, je tiens à remercier sincèrement mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration dans l'élaboration du budget. Ils se joignent à moi pour saluer la contribution de notre directeur général, M. Joël Bélanger, notre trésorière, Mme Isabelle Lorrain, et toute l'équipe municipale qui a prêté main forte avec dévouement et expertise pour livrer ce budget 2021. Face au dernier effort que nous devons livrer pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, je vous invite tous à faire preuve plus que jamais de solidarité, de résilience et de courage. Ces moments sont difficiles pour tout le monde et nous demandent un ultime effort que tous ensemble nous pouvons réaliser. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021 à tous et à toutes. Merci pour votre attention. On peut passer maintenant à la proposition. Merci, Mme la mairesse, cette présentation. Alors, je me fais le proposeur de la résolution pour adopter ce budget. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice de la municipalité, le prochain exercice financier, donc, et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, considérant qu'un avis public de l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville de Marieville le 27 novembre 2020, considérant qu'en vertu de l'article 474.3 de la loi subventionnée, le budget ou un document explicatif de celui-ci doit être distribué à chaque adresse de la municipalité ou publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Alors, je propose donc d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 tel que présenté, totalisant des revenus et dépenses de 20 684 295 $, lesquelles prévisions budgétaires sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'approprier un montant de 845 502 $ et ce, à même le surplus libre de la nouvelle ville de Marieville, de l'affecter au budget de l'exercice financier 2021 et de publier un document explicatif du budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Geneviève Letourneau, je vais appuyer. Merci. Donc, point de communication, ils ont déjà été faits. Et puis, on m'informe qu'il n'y aurait pas de questions. Pas de questions? Aux gens qui nous regardent, je vous invite en tout temps à poser des questions à moi-même ou aux membres du conseil. On accueille avec beaucoup de plaisir les questions, partager le travail qu'on fait pour vous au moment du budget ou toute l'année. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter au besoin. Dans ce cas-là, on passe au point... Je m'excuse, Mme la mairesse. Oui, allez-y. Je vais poser une question pour l'intérêt de tout le monde. En fait, je vais poser la question. Quand recevrons-nous nos comptes de taxes, Mme la mairesse? Ah, monsieur le directeur général, probablement niveau technique. Oui, en fait, les comptes dus aux problèmes informatiques que nous avons eus à la fin d'année dernière, donc devraient partir d'ici la fin de... on l'espère la fin janvier, donc on va revoir l'ensemble de nos dates de versement. Mais dès la réception du premier envoi, il y a toujours un 4 semaines de délai pour le paiement des taxes. Donc, que ça devrait tenir les mêmes échéances que par le passé. On avait début mars et début juin. On pense peut-être retarder de quelques semaines, mais ça sera toujours au mois de mars pour le premier versement. Je vous remercie des précisions. Merci pour la question. Donc, on
passe au point 9.1, levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. J'appuie.